Oui, parce que les boss sont trop faciles. Exactement. C'est exactement ça. Alors là, direction. De suite, ne réfléchis pas. Les cailloux. Voilà. Il est en trois phases, si je me souviens bien. On l'a vu, le mec à la clé derrière. Je peux pas le toucher de suite. Parce que vous voyez, il y a une serrure qui est une serrure et qui est trop loin. On a besoin de 500 cailloux, on en a déjà 82 en tourne. Et là, ça va être la course. Regardez la map. Ouais, il va falloir courir et l'attraper. On y va tranquillement, on fait un tour de repérage. On prend les gemmes au passage. Allez, on l'attrape. Yes. Les une, c'est bon. Ah oui. Si je meurs contre le boss, il faut refaire toutes les phases. Même ça là. Déouvre-toi là. Mais non, c'était la porte. C'est d'abord la porte, pas la marche. Oh. Un peu de jugeote. La porte, elle est là derrière. Elle est là. Bon, on le réattrape. La porte. La porte est là. Il y en a un autre à attraper. Il y a des gemmes ici. Je crois pas s'il y en a. Mince. Alors, il faut que je reprenne les gemmes. Il faut faire gaffe parce que là par contre il y a du vide. La porte elle est... Non elle est pas là, la porte elle est pas là. Elle est là. Je pouvais t'avoir du premier coup, c'est marrant. Ah, je pense que je peux l'avoir dans cette angle. Attention au vide. Cet angle, il est... J'ai eu. Oui, c'est bon.
Alors maintenant, on va pouvoir faire descendre le boss de sa marche. Son pied d'escal. Voilà, et là, va falloir lui courir après. Allez, ça va. Il va peut-être jusqu'au bout comme ça. Regardez la cité. Ah, je sais même plus combien de fois il faut le toucher. Raté. Dis-moi qu'il n'y a que la course à refaire, s'il te plaît. Dis-moi qu'il n'y a que la course à refaire. Oui. Oh. Voilà, Edwin. Lui, je lui ai directement, j'ai même pas eu besoin de faire le tour. Mais c'est... Je vais trop à gauche. Calme-toi, Gnak, tu vois. Et...
Et... quand même. Bon, le boss. Ok, ça je peux faire comme ça. Ça je peux le faire comme ça. Non! Non mais non mais je... Mais... Idiot quoi. Idiot. C'est tout. Voilà. Lui il m'a gonflé. Mais comment je peux être aussi maladroit quoi? Comment je peux être aussi maladroit? Je m'insupporte.
Tranquillou. Tranquillement. Il reste quoi ? Une vie. Ça va, c'est pas le niveau gigantesque du monde. Stop. Voilà. Petit arrêt, on reprend. On a direct à droite. On va à gauche, mais il est déjà au fond le boss. Il est déjà au fond. Bah oui, regardez. Ah, il est déjà là. Ok, je prends 5 secondes pour souffler. Si tu vas dans le sens inverse, ça fonctionne pas. Je peux pas. Ça fonctionne pas dans le sens inverse. Déjà, de là à ici, je peux pas sauter. Et si je vais dans ce sens là, le boss, forcément, il ira dans l'autre sens. Après, je me retrouve bloqué là de toute façon. Bon, touché, une vie. Il manque 100 gemmes et on les aura. Et là, là c'est le drame. Parce que ça, il faut que j'aille hyper vite. En 2 minutes, j'éternue. Excusez-moi. Alors, il y a une plateforme. Deux plateformes. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Après, je vais sur la gauche. Je regarde la minimap. Une en face. Deux, trois. Faut que je trace. Est-ce que je peux sauter direct? Allez, go. Ça suffira pas. Oh non. Si. Non. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Adieu, Gnork. Bordel. Je l'ai eu. Fin du jeu. Gnastignork, il est cuit. Et maintenant, l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? On dit que le ciel n'a aucune limite. Oh là là. Vraiment, la phase 3, je crois que j'ai posé mon cerveau et voilà. C'est tout, dit Majiro en majuscule. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Je pose la manette. Oui, c'est tout, ça y est. Spyro fini. Il faudra juste, après le générique, je récupère un dragon. Et après, fini. Et enfin, fini. En vrai, il reste les vols à 100% à faire. Donc, j'en ai qu'un, il m'en manque 4. J'ai 4 vols à 80%, je ne sais pas à 100%, pour avoir accès au coffre-fort. Donc vraiment le dernier niveau, qui n'est qu'un niveau rempli de gemmes. Je crois qu'il y a 1200 gemmes à avoir. Et ouais, je crois que c'est ça. Et on débloque même par la suite le fait de pouvoir voler comme on a envie et non pas de planer.
Mais c'est tellement difficile le vol que je le ferai pas. Donc voilà. Donc oui, c'est le boss et tout. Même l'installation du futur thème est plus long et plus compliqué. D'accord, ok. Mais je suis content d'avoir fait le boss entre guillemets rapidement. Parce que quand je l'avais fait la première fois, c'était long, j'avais mis 2h, 2h30 à lui courir après, à comprendre les angles, les virages et tout. Bon, ça va, je pensais je stream ce soir que le monde 5, et au final j'ai fait le monde 6 en entier. Ah, je suis content. Spyro fini! Yes! Yes, yes, yes. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, le temps du générique est long, mais il y a des jolis dessins, des artworks. Hein. Au moins pour rendre hommage à tous ceux qui ont bossé dessus, c'est le minimum, quoi. Vraiment le minimum à faire. Je crois qu'il y a Kipon, veut faire du Cadence of Hyrule ce week-end. Donc faudra suivre ça, tenez-vous au courant sur les divers réseaux sociaux, rejoignez Discord, abonnez-vous à la chaîne. Pour ma part, je sais pas si j'ai fait un jeu indé ensuite, ou si je refais du rétro. J'hésite. En gros, pour vous spoil, j'aimerais faire... Bon, bien sûr, les autres Spyro, mais pas de suite, on va attendre. J'aimerais faire Crash Bandicoot, première trilogie, première du nom. Donc le premier Crash. Par la suite, les autres. J'aimerais faire Rayman Legends, que j'adore. Vraiment, c'est un jeu que j'adore. Donc on verra si ça se fera ou pas. Déjà, ça dépendra des bugs que j'ai à la carte d'acquisition, si ça passe ou pas. Je fais des tests en amont, bien sûr, pour voir tout ça. Mais plein de jeux indé, et les jeux indé c'est directement via Steam depuis l'ordinateur, donc là il n'y aura pas de problème de graphisme. Affaire à suivre, bien entendu. Ah, je suis content d'avoir fini Spyro maintenant. Tout à l'heure, quand j'ai fini le monde 5, j'ai attaqué le monde 6, je me suis dit, allez, je vais en avoir jusqu'à 3h du matin. En fait, non, ça va. En vrai, le monde le plus long, c'était le monde 4. Ouais, c'est ça, c'était le monde 4, le monde le plus long et le plus difficile. Ah, c'est chouette. Puis il est joli, quoi. Il est vraiment joli. Spyro premier du nom, première version à l'époque sur PS1, il était assez joli, mais c'était très lisse. Là, ils ont mis un peu plus de détails. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, Mario 64, j'avais adoré, mais... Je l'avais adoré, mais ils auraient pu faire un effort de graphisme quand ils l'ont ressorti il y a quelques mois sur la Switch. Vraiment, c'est... Quand tu vois ce qu'ils ont fait en travail à Activision et les autres, je sais plus quel est... Il y a derrière Spyro, derrière Crash. Ils ont tout refait. Alors, Mario 64, ça aurait été le minimum à faire, moi je pense. Même si c'était chouette quand même. J'ai pris plaisir à le streamer. Enfin bon. Bon, sinon prochainement il y aura du programme radio directement sur la chaîne. J'espère que ça plaira. En tout cas moi je suis content de commencer à bosser sur ces projets là. Enfin commencer ça fait plusieurs mois déjà. Mais là ça devient concret. Donc j'espère que les futurs programmes radio en stream vous plairont. Dans un premier temps ça sera du jeu vidéo. On va parler de jeux vidéo de, en long, en large, en travers. Ce sera surtout socio. En gros, ce sera sociologie et jeux vidéo, pour être un peu précis. Oh là là, un mot barbare. Non, mais non. Vous allez voir, ça va être chouette. Ça va être intéressant. Il y a plein de gens qui ont bossé dessus. Hein. Avec tous les studios dans les divers pays, les divers continents. Plein de monde qui ont bossé sur Spyro. Traduction et tout.
au final, le boss le plus chiant, c'était le boss 2 de tout le jeu. Voilà, les boss, ils sont faciles. Et comme c'est à ce moment-là que j'y stack, c'est le boss 2 que je galérais dessus. Les autres, ça allait. On va voir si j'ai mis moins de temps ou plus de temps que la première fois où je l'avais fait dans mon coin. On va voir, on va comparer avec les deux sauvegardes. Je pense que j'ai mis moins de temps quand même. Spirou qui se prend pour une star. Donc, le café a un type Starbucks sur la gauche. Cocktail magique dans sa main, dans sa patte même. La libellule, pareil, a le droit à son petit fauteuil, des petites lunettes, les petits détails quoi. Ils sont vraiment chouettes ces dessins, ils sont vraiment beaux. Ouais. Comment meubler pendant un long générique, il est hyper long. Dans un gâteau d'anniversaire. La cerise du gâteau au bout de la queue du dinosaure bleu. Insomniac Games qui est le développeur originel, si je me souviens bien. Le studio. Mais tout le monde qui a bossé sur ça, c'est impressionnant. Ah bah tiens, regardez, regardez le bug graphique qui revient. Ah, ça m'avait manqué, tiens. Ah bah il s'est barré. Je comprends pas, je comprends plus. Alors, c'est pas apparu à l'écran sur la télé, c'est apparu que sur le retour Streamlabs. C'est du coup. Sur la fin du générique, là on est sur les remerciements, je crois. Ah non, maintenant on va passer à toute l'équipe Activision. Même pas les, ces gens-là, ils ont même pas forcément bossé sur le jeu, c'est juste l'équipe Activision. Oui, alors relations commerciales, assistant presse, secrétaire comptable, c'est ça, hein, clairement c'est ça. Alors nos avocats et tout. C'est random le bug graphique que j'ai, sa carte d'édition, j'espère que ça va pas impacter les prochains jeux depuis la Switch. Manquinerai. Oh j'essaye avec une autre carte d'édition. De localiser un peu le problème. Analyste financier. Très important, l'analyste financier dans le développement d'un jeu. Très très important. Management, Consumer Relations, Marketing, Technology. Allez. Manager des analyses, analystes, auteur de contenu, front-end, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Expérimental, social marketing, finance. Ah voilà, les finances, les comptables, ils sont là, les comptables. Global Digital and Mobile Sales, promo sur le mobile. C'est tous les responsables des promotions sur les des ventes des mobiles, quoi. Du monde quand même. Satya Narayana Mittal.
super nom pour le staff. J'arrive Discord après, imaginons. Senior Manager Finance et HR Application Information Technologie. Waouh. Des noms à rallonge, quoi. C'est... Limite, on donne un titre à Daenerys, c'est pareil. Daenerys, la mute. Liseuse, je sais, mère des dragons. Qu'est-ce que ça veut dire Global IT Infrastructure? C'est quoi IT? Informatique? Network and Security Engineer. Très important dans le développement. Oracle application. Ah ouais, carrément. Même Mario, le générique est moins long que ça. C'est directement Nintendo, mais là on parle. Là il y a eu 3 studios, plus Activision, plus tout. Ouais. Allez, que ça se termine, que je vous montre le dernier dragon quand même. Je puisse avoir le pourcentage en plus dans ma sauvegarde. Il y a plus de gens dans le marketing que vraiment dans le développement pur du jeu, quoi. C'est fou ça. Player support. Ça c'est intéressant par contre. Que le niveau du boss. Sérieux? Social media spécialiste. Réseaux sociaux. Plateforme, stratégie et partenariat. Production, service, localisation, Europe. La musique n'est pas du tout répétitive, hein, bien sûr. C'est la même boucle depuis tout à l'heure. Ils auraient pu au moins mettre plusieurs musiques du jeu dans le générique, vu comment il est long. Ça, ils auraient pu, ouais, ils auraient pu le faire quand même. Ça, c'est les testeurs. Et c'est pas fini. Oh là là.
Bon. C'est tellement long qu'à un moment donné, je sais plus comment meubler le générique, moi. Oui, oui, c'est ça, le générique est plus long que le boss. Ouais, ouais. Allez, que je fasse juste le dernier dragon. Il m'en... Si je veux juste faire ça, il me reste que ça. Bon, et les vols, mais les vols, bon, je les ferai pas. C'est tellement pas doux. Oui, mais j'ai vu ton message, j'ai retenu. C'est juste le temps de réfléchir maintenant. Du bug. Ah, on est sur la fin du générique et ça y est, ça replante. Ça replante. Ah ouais, pas qu'un peu là par contre. No sheep were armia during the creation in this game. Alors il n'y a pas eu de mouton blessé durant le jeu. Thank you for playing. Voilà. Bien sûr, ça c'est qu'une petite partie du studio, sinon c'est pas drôle. Il y a des petits chiens, il y a les chiens et tout. Il y a un hommage aussi à quelqu'un en photo en plein centre. Bon, heureusement, ça bug pas sur ça. Quand même. Je tenais à aller jusqu'au bout pour ça. Quoi. Allez. L'aventure continue. Un peu. Juste un tout petit peu. Après un chargement aussi long qu'un générique. Voilà, le dernier dragon, il est là. Alors, avant de le voilà, petit point sur le carnet. On repart du début. Voilà. Monde des artisans, il y a le vol, il est à 80%. Je pense que ça peut être faisable à 100%. Celui-là était assez difficile. Là, c'est fait. Nickel. Alors lui, n'en parlons pas, hyper dur. Celui-là, il est hyper dur aussi. Et là, il n'y en a pas. Et là, dernier dragon. Et une fois qu'on a fait les vols à 100%, ça ouvre ici. Et ça ouvre un autre niveau avec que des gemmes à récolter. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas d'ennemis. Mais on débloque aussi le vol. Là, je plane. Mais en allant là-dedans ensuite, avec tout à 100%, je peux voler comme j'ai envie. Allez, dernier dragon. Magnus. Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir. Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Voilà. Ça, c'est fait. Le checkpoint. Et... Alors, comparaison des sauvegardes. Oui, c'est ça. Alors, vite, vite. Ah, voilà. C'était difficile. Alors, j'ai mis 2h30 de moins que la première fois, quand même. D'accord. J'ai mis le pourcentage de plus, c'est le 100% du vol que j'ai fait en plus. Okay. Bon, bah, c'était chouette. Voilà. Très probablement on stream ce week-end via Kipon sur IvaSound, suivez les réseaux, suivez Discord. Voilà. C'est chouette, j'ai bien aimé faire ce héros. Du coup, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, cordialement. Bisous.